Info Closer. Le très puissant producteur de cinéma Thomas Langman accusé de harcèlement et menace par son épouse Céline Bosquet, la femme de Thomas Langman, l'accuse de harcèlement et d'avoir laissé entrer des dealers à domicile dans une plainte déposée ce vendredi 30 mars. Le producteur de cinéma Thomas Langman est visé par une plainte très détaillée pour harcèlement par son épouse Céline Bosquet, dont il vit séparé depuis le mois d'août, selon les informations de Closer. Céline Bosquet, journaliste de profession, a décrit aux policiers qui ont enregistré sa plainte ce vendredi 30 mars un quotidien devenu insupportable, fait d'appels malveillants, de menaces de violence, de harcèlement. Il laissait entrer les dealers à domicile, malgré la présence des enfants, raconte-t-elle notamment pour décrire leur vie quotidienne. Alors, en août 2017, après 4 ans de mariage, la jeune femme a décidé de se réfugier chez ses parents. Mais Thomas Langman aurait frappé son père, qui déposera plainte à son tour. « J'ai très peur de lui et de ses fréquentations, car il a déjà usé de et été condamné pour ça, qu'il s'en est pris à mon père et qu'il est toujours en proie à ses addictions », précise-t-elle encore dans sa plainte. Entre 5 et 10 SMS de menaces par jour dans les nombreux appels, mails et textos de menaces, entre 5 et 10 SMS par jour depuis leur séparation, Thomas Langman exprimerait, d'après ce qu'a confié Céline Bosquet aux policiers, le fond de ses pensées est « Jean veux évacuer la haine que tu forges en moi et les envies qu'elle procure », le parquet sera forcément très attentif à la plainte au vu du contexte général des violences faites aux femmes qui sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs. Sweet CES praises de parole, less plaintiffs pour aggressions ULZ violences ont fortement augmenté en 2017, une plainte qui intervient aussi dans un contexte particulier avec le mouvement. France et Saluida. Un mouvement lancé notamment depuis l'affaire Harvey Weinstein, quand de nombreuses actrices avaient dénoncé l'abus de pouvoir qu'exerçait le producteur sur elles afin d'obtenir des faveurs UL. Déjà condamné pour des violences en 2008, Thomas Langman avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des violences exercées à l'encontre de la mère de sa première fille. Plus tard, le puissant producteur avancera pour toute excuse, bien sûr, on ne frappe pas une femme mais venez des deux côtés, Thomas Langman est le fils du réalisateur-producteur Claude Langman, dit Claude Berry, et de la belle Anne-Marie Rassam, Thomas est le descendant d'une famille ultra puissante du cinéma français. Son oncle maternel, Jean-Pierre Rassam, est un magnat du cinéma, plus flamboyant encore que son père. Sa tante paternelle, Arlette Langman, a longtemps vécu avec Maurice Pialat. À la fin du mois de mai 2007, Thomas Langman avait été arrêté lors d'une opération anti-drogue dans le 7e arrondissement de Paris, alors qu'il tentait d'acheter une dose de cocaïne. 50 commentaires commentés partagés. Cet article partagé sur Facebook sur le même sujet. Les lus l'actualité closermac.fr. Dans votre boîte mail inscription newsletter, vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.